Bercé par la musique, enivré par le bruit, cédant au poids des anges, je m'étais endormi. Grâce à votre regard et saluant ses amis, mon buste se réveille, retrouvant ses esprits. Sur le sentier des fables et des senteurs sauvages, parmi les plantes rares et les bois du bocage, voici que ma statue fait dire aux visiteurs « Ah, Jean de La Fontaine, c'est lui l'inspirateur de ces morceaux de vie qu'il a écrits en vers. Oui, grâce à mes histoires, je reste bien vivant. Je connais vos travers, je suis de votre temps. Je parle à tous les hommes parce que mon bestiaire contient des vérités qui servent de leçons. Tout parle en mon ouvrage, et même les poissons. Ce qu'ils disent s'adresse à tous tant que nous sommes. Je me sers d'animaux pour instruire les hommes. J'ai souvent dessiné, souvent imaginé le jardin de mes rêves au fil de mes pensées, avec des treillages et des fleurs à parfum, des plantes à proverbes semées sur les chemins, des animaux fontaines et des bustes fantômes, des arbres animés, un vrai petit royaume remontant des enfances, dédié à la nature en chantant la romance et la littérature. J'ai longtemps recherché, mais sans jamais trouver un endroit idéal pour mon jardin rêvé. Et puis, vint le moment où je fus invité ici, au puits du fou pour le réaliser. Les plantes nous enseignent, nous tous, tant que nous sommes. Je me sers d'un jardin pour instruire les hommes.